Nous accueillons aujourd'hui un séminaire M. Charles Mella, professeur à l'Université de Genève, ancien doyen de la Faculté des Lettres de Genève, ancien président de la Fondation Bodmer, etc. Mais surtout, quelqu'un que j'ai peur de présenter trop longuement parce que nous nous connaissons depuis si longtemps hein, et j'ai pour lui une telle amitié, une telle admiration hein, que voilà, je pourrais... Alors, il a l'air d'avoir 20 ans de moins que moi, mais en fait, il est mon aîné, il est légèrement mon aîné. De sorte que, à l'école normale supérieure, c'était un grand quand j'étais un petit. Hein, et donc, je l'admirais, nous nous retrouvions au cours de nos maîtres, nous étions déjà médiévistes tous les deux, hein, et nous nous sommes retrouvés ensuite comme assistants à la Sorbonne. Et tout. Alors, il a guidé mes premiers pas, lui, il y était déjà. Enfin bon, chaque fois, il a été mon plus que père, pas comme Maître Guillaume de Villon. Et alors, en plus, il avait, alors, il avait toutes les supériorités sur moi, parce que c'est quelqu'un d'extraordinairement brillant. Hein. Il fait penser, je ne sais pas, il y a longtemps que je n'ai pas entendu, j'ai changé, il faisait penser à l'époque, ça existait. Les camelots qui vendaient de la vaisselle dans la rue. Hein. Et alors, ils empilaient des assiettes, comme ça, on a l'impression que les assiettes allaient tomber. Hein. Et alors, du coup, sa façon d'appliquer la pensée de Lacan, parce que c'était ça son truc, au texte du Moyen-Âge, c'était ce genre de système. Et alors, donc... Et il était l'élève de Jean Frappier. Jean Frappier l'aimait beaucoup, beaucoup. Et c'est dire parce qu'il ne se ressemblait pas beaucoup et que Jean Frappier était devant une poule qui a couvé un canard. Enfin, ce lacanien, ce n'était pas du tout son style. Mais quand même, il était plein d'indulgence. Charles Mella, de son côté, l'appelait ma petite frappe. Mais enfin, bon, ça n'arrive pas. Pas en sa présence. Et alors, en plus, Charmela, qui est un homme chaleureux et bon et méridional, parce qu'il est marseillais à l'origine, de sorte qu'il avait encore, et quand on écoute bien, on entend encore une pointe d'accent méridional. Et cette pointe s'est sentie, ça m'a frappé, dans son premier livre. Son premier livre s'appelait Blanchefleur et le saint homme ou la semblance des reliques. Titre simple, hein, comme ça se faisait à l'époque. Et alors, je commentais avec lui ce titre, et il m'a fait remarquer que c'était un jeu de mots. Le symptôme, c'était le symptôme. Mais moi qui suis du mort, non, je distingue le haut ouvert du haut fermé. Et pour moi, le calembour ne marche pas du tout. Il faut un psychanalyste méridional pour dire quel est votre symptôme. Mais ensuite, sa grande thèse, La Reine et le Graal, est un livre qui a une influence considérable, qui a été couronné par l'Académie française. Et Charles Mella a ainsi passé sa vie entre les charmes qui se sont concrétisés pour lui la psychanalyse et les charmes de Lancelot et de Guenièvre, vie délicieuse. Il faisait son séminaire à Genève, il prenait le Lancelot en prose, qui est interminable, et puis il le lisait. Alors, c'était vraiment comme la lecture de la Sacra Pagina, mais comme ça, il lisait ce roman, et alors, à chaque ligne surgissait l'inattendu. C'était quelque chose d'absolument prodigieux. Je devrais me livrer à une présentation plus sérieuse, mais enfin, c'est comme quoi, ça, c'est charmant. Alors, je n'oublie pas, je l'ai dit en commençant, c'était quelqu'un de très, très sérieux, très, très important, qu'il a été doyen de la Faculté des Lettres de Genève. C'était pas rien, parce que c'est une université extraordinairement brillante. D'ailleurs, il y a un autre expert
professeur de Genève dans la salle qui peut en témoigner, les deux complices, Charles Mella et Jacqueline Cerchiglini-Toulet. Et la fondation Bodmer, c'est une des plus belles institutions du monde. Et Charles Mella continue encore à la servir et à publier pour elle, puisque le prochain ouvrage à paraître est un facsimilé d'un amour de Swann, d'après le document, qui paraîtra chez Gallimard bientôt. Petite infidélité au Seuil, qui était l'éditeur de départ et qui était l'éditeur dans ce courant d'idées à l'époque. Mais aussi, Charles Mella vit toujours avec son temps. Enfin, bref, nous allons... Enfin, moi, je vais l'écouter avec délice, et puis vous aussi, certainement. Mais moi, j'ai des raisons encore meilleures. Allez, vas-y. Merci infiniment, mon cher Michel. C'est vrai que ces mots d'amitié me font chaud au cœur. Je me souviens toujours de cette période où tu passais l'agrégation et où Pierre Clarac, d'une très grande figure, disait, en parlant de Michel, « Je suivrai avec attention votre carrière ». Il ne s'est jamais trompé. Avec attendrissement, c'est ça. Oui, comme... Je suivrai votre carrière avec attendrissement. Bien. Écoutez, je suis un peu désolé de vous avoir infligé un titre, Sein zum Todel, Lettre pour la mort, un titre heideggerien qui ne fait pas très simple. Alors, je vais vous donner peut-être un autre titre aujourd'hui, plus en accord avec le thème général du cours, Une histoire simple, le sort de tout un chacun. Je vais travailler sur faire connaître peut-être un texte de Johannes von Tepel, T-E-P-L, Le laboureur de Bohème, Der Ackermann aus Böhmen, et un dialogue avec la mort qui est écrit aux alentours de 1400-1401. Pour introduire très brièvement la simplicité, elle tire sa matière du quotidien vécu par l'homme. Elle s'adosse à une sagesse proverbiale, ce qui n'empêche pas qu'elle soit nourrie de références savantes tirées des pères de l'Église, mais devenues justement par la prédication le bien de tous. Elle passe par le dialogue, c'est avant tout une affaire de parler, ce qui requiert aussi parfois une certaine dramatisation, un jeu par personnage, à deux personnages, et dans le cas du texte dont je vais vous parler, l'un de ces personnages est une allégorie, l'incarnation concrète d'une abstraction, c'est Der Tod, la mort, en allemand c'est au masculin. Donc on traite de la condition humaine, l'amour, la mort, le bonheur, le malheur, c'est une moralisation, on en tire un sens moral, c'est aussi une dramatisation. Il y a, dans le cas de ce texte, que je cite dans la traduction par remarquable étude iconographique de Florence Bayard, qui a été publiée là aux presses universitaires de la Sorbonne, et évidemment les éditions allemandes, les manuscrits allemands, je ne fais pas ici directement référence, mais je les citerai évidemment dans le cadre de ce commentaire. Donc, c'est une plainte au sens juridique, une requête en justice. Un personnage laboureur se plaint de la mort et se plaint du tort, du dommage que celle-ci lui a causé. C'est donc une requête en justice, une dispute devant un tribunal. Voilà donc les ingrédients. Ce n'en est pas moins une œuvre d'art, une œuvre littéraire, comme le prouve le fait que la charrue de notre laboureur, c'est une métaphore qu'il emploie, que l'auteur emploie dès le début, c'est sa plume, la charrue dans la plume. C'est donc un maître S.A.R. qui écrit « Parler simplement, parler au simple, étant, comme vous le verrez, aussi un effet de l'art. » Pour introduire ce dialogue, je remonte quand même un peu haut, je remonte à Homère, au chant 6 de l'Odyssée, lorsque Ulysse est sorti de l'antre de Calypso, il arrive sur les rivages de la Phéacie, il est réveillé par les cris des jeunes filles qui sont venues laver le linge, et parmi elles se trouve Nausicaa, la fille du roi, et elle va apporter son aide à Ulysse pour lui rendre son apparence.
Et Ulysse, en l'implorant, va prononcer ces paroles lumineuses que vous trouvez au chant 6. « Puissent les dieux, dit-il, puissent les dieux t'accorder ce que tu désires, un mari et une maison, sans oublier la concorde précieuse. » Andra te kai oikon, Andra, le mari, oikon, le foyer, kai homo frosunen. Et cette concordance, cette union des cœurs, que l'on ne doit pas oublier et qui est précieuse. Il n'est rien de meilleur au monde qu'un homme et une femme dans l'accord de leurs pensées, homo phroneonte noemassine, tenant une maison pour le malheur des ennemis et la joie des amis, mais d'abord pour leur propre joie. Donc l'accord au foyer de tous les sentiments entre mari et femme, pour le dépit des jaloux, pour la joie des amis et pour le parfait bonheur du couple. Eh bien, ce bonheur simple, humble, nous en retrouvons exactement l'écho, et c'est même le leitmotiv de la plainte du laboureur dont nous allons parler. C'est une affirmation que l'on retrouve au chapitre 29, il y en a 33 de chapitres, au chapitre 29 de ce dialogue, où il est dit que l'épouse honnête au foyer est la condition du bonheur. Wann Weibes und Kinder habe, ist nicht das Mindesteil der irdischen Selden. Avoir donc ici une épouse et des enfants n'est pas la moindre part du bonheur terrestre. Et l'on fait référence à Boès, qui est justement celui qui a été le grand passeur de l'Antiquité au Moyen-Âge, dans la Consolation de philosophie, 3, prose 7, « Honestissima quidem coniugis foret liberorumque jucunditas »« Avoir une femme et des enfants peut bien être la plus honnête des joies. » C'est là ce qui fait le cœur de la plainte et de la douleur inconsolable de notre écrivain laboureur. Donc il invective contre ce maître et seigneur qu'est Der Tod, la mort, qui vient de lui arracher son épouse. Je dis écrivain laboureur en maintenant cette ambiguïté qui intéresse directement notre thème de la simplicité, des gens simples, du parler simple. Et la tradition iconographique d'ailleurs, qui est très très bien commentée par Florence Bayard, la tradition iconographique des bois gravés que l'on trouve dans les premiers imprimés du dialogue, dans les années 1460-1475, nous montre dans un cas le laboureur représenté comme un propriétaire aisé, un bourgeois, ce qu'était de fait Johannes von Teppel, avec un long manteau, une tête couverte, etc. Et dans d'autres bois gravés, vous avez bel et bien un laboureur en vêtements de travail, tête nue, un chaperon sur les épaules, un fléau tout appuyé sur l'épaule. C'est un homme simple, j'ai failli dire épaule, ce qui aurait rendu évidemment l'écho marseillais auquel tu faisais allusion tout à l'heure. C'est un homme simple, c'est un homme du peuple. Ainsi, on oscille entre une représentation populaire, celle du laboureur, de l'homme au travail de la terre, ce qui déjà a une connotation biblique très forte. Rappelez-vous le péché originel et le châtiment. Maledicta terra in opere tuo, hein, maudite donc cette terre dans ce que tu as fait, in laboribus commedes ex ea cunctis diebus vitae tuae. C'est dans les travaux que tu tireras d'elle que tu auras ta nourriture tous les jours de ta vie. Le travail de la terre est le châtiment de l'homme pécheur. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre. C'est le travail et la mort. Ce sont les deux conséquences du péché originel. Ce qui fait de l'homme une figure, ce qui fait du laboureur une figure de tout homme, une figure de l'homme qui travaille. On a ce topos qu'on retrouve présent chez Zacharie, quand il dit « non sum propheta », je ne suis pas un prophète, « homo agricola ego sum », je suis un paysan, « quoniam Adam, exemplum meum ab adolescentia bea », comme Adam, mon exemple, depuis mon adolescence, ma jeunesse. Donc c'est d'abord cette représentation populaire avec cet arrière-fond biblique,
Et d'autre part, c'est une métaphore qui est dite, expliquée au chapitre 3, « On me nomme laboureur, la plume est ma charrue. » Ich bin genannt ein Ackermann, von Fokkelwatt ist mein Pflug. C'est donc l'image de l'homme de plume qui exerce un métier en lien avec l'écriture, et en latin médiéval, on sait que arare se dit pour scribere, pour écrire. On saisit donc, sur ce simple exemple, la complexité ou la richesse de sens d'un texte qui n'est pas si simple qu'il y paraît. Est-ce que c'est l'image de tout un chacun face à la mort, la généralité humaine qui est abordée, dans une atmosphère religieuse, celle de l'homme pécheur qui est en proie à la mort? Ou bien est-ce l'histoire singulière d'un homme de plume, d'un clerc, d'un maître es art, avec ce que cela implique de rhétorique et d'art, auquel il fait allusion d'ailleurs dans une lettre? À plusieurs indices, rien n'est assuré, l'histoire pourrait être même autobiographique et renvoyée à donc l'expérience vécue par un homme réel, à moins que par le jeu de la rhétorique, cette autobiographie soit une autofiction, et il serait alors tel un nouveau Boès servant de consolateur à un ami, comme l'indiquait une lettre que l'on a redécouverte en 1933, qu'il adressait à son ami Peter Rothers, où l'œuvre semble avoir répondu à une commande. Tout cela est donc indécidable. Parler des simples, parler au simple, requiert justement, comme tout usage de la parole, la rhétorique et son art. Ce qui n'interdit pas, bien sûr, de considérer ce qui constitue les caractères de la simplicité. Et au fond, je le souligne encore, quand notre homme se présente à la mort en disant « je suis un laboureur », simplement, ça vient en écho à la façon dont dans Le Chevalier au Lion ou dans Ivain en allemand, la fameuse réplique qu'adressait le hideux Bouvier au héros, au chevalier, « Dis-moi quelle sorte d'être tu es ?» demandait le Chevalier au Lion. « Je suis un homme, pas autre chose, comme tu le vois, un vilain, un homme de la campagne, un paysan. » Dire « je suis un homme », et tout homme depuis la Genèse est un laboureur, astreint au travail et astreint à retourner à la poussière, c'est mettre finalement en question ce qui fait la condition humaine. Et c'est là ce qui résonne comme un parler simple pour de simples gens. Alors, brièvement, pour situer quand même ce texte qui ne vous est pas forcément familier, qui est au juste Johannes von Tepel, nous sommes en Bohême, fin 14e, début 15e siècle. D'ailleurs, le labour, notons-le, était un symbole important des rois de Bohême. Johannes est né entre 1347 et 1350 dans un petit village. Tepel, c'est le nom de la ville dont il a fréquenté l'école, entre 1358 et 68. Après cela, il a vécu à Saatz, S2AZ, une ville prospère de Bohême, dont les habitants étaient des citoyens libres. À cette époque, je le rappelle, avait accédé à l'Empire le roi de Bohême Charles IV, de 1346 à 1378. C'est ce qui a placé la Bohême au cœur de l'Empire. C'est ce qui fait que c'est la période qui a été pour la Bohême un âge d'or. Et je vous rappelle que c'est à cette époque, en 1348, qu'a été fondée la fameuse université de Prague, Karlovy Vary, qui a été la première université de l'Europe centrale. Prague a donc été un très grand centre intellectuel et culturel. Prague est devenue la capitale de l'Empire pendant son règne. Et d'ailleurs, le chancelier de l'empereur, qui était aussi le maître de rhétorique de Johannes von Tepel, a été le correspondant de Pétrarque. Johannes va donc étudier à l'université de Prague. Il ira ensuite en Italie, à Bologne et à Padoue. Il obtiendra à Prague le titre de magister artium. Et après, il travaille à ce titre dans la chancellerie impériale. Et en 1377, il va diriger l'administration de la ville de Saatz. Il va devenir le rector scholarum, le recteur des écoles de la ville.
fonction qu'il exerce jusqu'en 1411 et il meurt en 1414. Donc il appartient à la classe aisée des patriciens, mais il a vécu aussi à une époque de troubles, d'interrogations nouvelles. Vous savez que le successeur de Charles IV, qui était Wenceslas IV, ne saura pas vraiment faire face aux agitations qui ont suivi le grand schisme d'Occident, quand on a eu deux, voire trois papes entre Rome et Avignon. Ce schisme qui a coupé l'Europe catholique en deux, de 1378 à 1417, et qui a donné l'essor aux hérésies célèbres de Wycliffe, qui était professeur à Oxford, qui 150 ans avant d'ailleurs avait articulé l'essentiel du protestantisme, et dont Jean Hus, professeur à Prague d'ailleurs, était le grand admirateur, avant d'être excommunié et brûlé en 1418 à l'issue du concile œcuménique de Constance. C'est une période où la mort est omniprésente dans la conscience des gens, dans les lettres. Certes, la grande peste de 1348 a épargné en partie la Bohème, mais pas la peste de 1380 qui a frappé de plein fouet le pays et notamment la ville de Tepl. Et c'est l'époque où fleurissent les danses macabres, les memento mori, les artes moriendi. Eh bien, ce dialogue du laboureur avec la mort est une attaque, traduit l'expression en latin, « invectio contra fatum mortis inevitabile », une attaque contre l'inévitable destin de la mort. C'est ce qu'écrit Johannes van Tepl dans sa lettre de 1403 ou 4 à Peter Rotters, où il dit « je mêle le plaisant au sérieux, la moquerie au sérieux », c'est le spudogelaion qui est aussi le propre de l'attitude des clercs, et c'est un refus de la mort. C'est un refus de la mort au nom d'un grief qui le touche personnellement, directement. Alors, est-ce autobiographique ou autofictif ? On n'en décide pas. La mort vient de lui arracher, à lui et à ses enfants, l'épouse chérie, celle qui était l'honneur, la joie de son foyer. C'était à l'occasion de ses nouvelles couches. Le nom de l'épouse est crypté, c'est Margaretha, comme est crypté le nom de la ville de Sats où cela s'est passé. C'est une plainte au double sens du terme, c'est-à-dire qu'elle se présente comme une lamentation qui s'élève dans la douleur, un cri de douleur, et en même temps une mise en accusation, une plainte au sens juridique où on expose ses griefs contre la partie adverse en exigeant des explications, en appelant le jugement d'un tribunal, c'est Dieu qui apparaîtra à la fin. Mais c'est aussi, et c'est là un point important, une disputation, une dispute, un débat au sens scolastique entre maître et disciple, argumentant le pro et le contra au sujet de la mort et de la vérité humaine. Alors, à l'arrière-plan de cette plainte, se présente bien sûr une très longue tradition médiévale, que je rappelle également brièvement pour mettre en perspective le dialogue, car nombre d'arguments vont se retrouver à l'intérieur de ce dialogue. Et là, vous pouvez lire, relire, par exemple, réutiliser le petit ouvrage qui avait été publié à l'époque dans la collection de Paul Zumthor en 1018 de Jean-Marcel Paquette, Les poèmes de la mort de Thurold à Villon. C'est la perspective de l'interpellation de la mort. C'est une tradition narrative, lyrique, dramatique. Rappelez-vous, dans les chansons de gestes, la mort de Roland, le vieil empereur arrive trop tard. Il interpelle le mort à ce moment-là sur le thème du ubi sunt, où sont passés, hein, le thème des regrets, où êtes-vous, mon neveu, où sont Turpin, Olivier, les pères de France. Les romans de Chrétien de Troyes également, lorsque l'amante est pleurée, par exemple dans Eric et Enide, au château de la mort, Enide, croyant son ami mort, dit « Pourquoi est-ce que je vis encore? Tu étais sans égal, etc. » Elle interpelle le mort, évoquant sa beauté, sa sagesse, sa prouesse, sa générosité, donc toutes les qualités qui le représentaient. Et on en retrouve l'accent dans notre dialogue, dans la plainte, lamentation qui fonde la plainte-accusation. Il dit ceci: ma vertueuse épouse, mon noble faucon, s'est envolé loin de moi. Ehrenreicher Falk, meine tugendhafte Frau, ma femme vertueuse. Elle était de noble naissance, supérieure à ses compagnes, honnête et modeste en parole, chaste de corps, d'un commerce agréable et joyeux. Et puis, il y a eu, bien sûr, l'œuvre lyrique d'Élinan de Froimont, devenu moine cistercien, fin XIIe siècle, dans les Vers de la mort,
Et ce qui donne un accent nouveau à l'œuvre de Hidan de Froidmont, c'est qu'il interpelle non plus le mort, mais il interpelle la mort, qui devient une abstraction personnifiée. Alors c'est sur le thème de l'épouvante, de la peur de la mort, mais qui est salutaire pour Hidan de Froidmont. Hein. « Va, ô mort, va saluer mes amis pour qu'ils changent leur mode de vie. C'est un memento mori. Souviens-toi que tu meurs. Souviens-toi que tu es mortel. Souviens-toi que tu vas mourir. Tu n'en connais pas l'heure. La mort vient subitement, à l'improviste, et elle est toute puissante. Elle prend tout et tous, sans exception. » Et là sont frappés les grands accords. La mort nous met face à la vanité de toute chose. Hein, c'est le Vanitas vanitatum de l'Ecclésiaste. Hein, vidi cuncta quae fiun subsole et ecce universa vanitas et afflictio spiritus. Hein, j'ai vu tout ce qui existe sous le soleil et voici, c'est la vanité universelle et c'est l'affliction de l'esprit, l'affliction de l'âme. Richesse, pouvoir, gloire, plaisir. Michel Zach faisait allusion tout à l'heure. Tous ces biens terrestres ne valent rien, la mort emporte tout. Donc, réforme ta vie, pendant qu'il en est encore temps, afin de pouvoir gagner la joie éternelle après la vie. Donc, c'est ce thème bien connu du contemptus mundi, du mépris du monde, qui fonde ce qui deviendra au Moyen-Âge les artes moriendi, les arts de mourir, comment bien mourir, justement, en s'étant réformé. Et c'est ce que nous trouvons au chapitre 32, à la fin de notre dialogue, dans les paroles que prononce la mort elle-même, puisque chacun des deux personnages parle à tour de rôle. Le pire, dit la mort, c'est que l'homme ne peut pas savoir quand, où et comment nous fondrons subitement sur lui pour qu'il prenne le chemin de tout mortel. Tous, seigneurs et valets, hommes et femmes, riches et pauvres, jeunes et vieux, bons et mauvais, doivent le porter, ce fardeau, hein, dit Burde, müssen tragen. Et les sots n'en tiennent pas compte, c'est trop tard quand ils veulent devenir pieux. Tout cela est vanité des vanités, Eitelkeit über Eitelkeit und Beschwerung der Seele, et gravamen, et charge lourde pour l'âme. On est donc dans ce texte de Johannes von Teppel, dans le droit fil d'Hélidon de Froidmont, mais attention, à l'arrière-plan, n'oubliez pas saint Paul et la certitude de la résurrection, donc la première des Corinthiens. Ubi est mors victoria tua, mort où est ta victoire. On sait où est ton aiguillon, c'est le péché, mais où est ta victoire? La problématique est donc la suivante. La mort est toute puissante ici-bas, mais elle ne peut rien sur notre âme quand celle-ci est libérée du péché, et les corps ressusciteront en gloire. Nous retrouverons ce renversement, mais dans un tout autre esprit, à la fin du débat entre le laboureur et la mort. D'où l'importance de cette prise de conscience à l'égard des valeurs mondaines, ce sont des biens trompeurs, ce sont des biens instables que l'on ne peut que perdre et qui ne font que nous perdre nous-mêmes. Il en résulte donc un effort, un apprentissage proprement philosophique où vivre, c'est apprendre à mourir, c'est le principe de l'ars moriendi, c'est-à-dire vivre consiste à savoir se détacher de tout ce qui nous lie et nous rattache au monde. D'ailleurs, Michel Zinck faisait allusion tout à l'heure à la hiérarchie des péchés capitaux. C'est vrai, l'orgueil est toujours placé en tête, mais il est arrivé parfois que l'on plaça en tête non pas l'orgueil, mais l'avarice, parce que c'est radical, l'avarice. C'est le signe même que vous êtes attaché au bien de ce monde. Donc, il n'y a aucune chance que vous alliez à ce moment-là au royaume des cieux. Donc, c'est le péché capital, dans une certaine tradition cléricale. C'est dans ce sens que la mort nous ouvre les yeux. Tout est voué à disparaître, à retomber dans le néant. Ce n'est donc pas vers ce monde périssable qu'il faut te tourner. Or, c'était là la leçon également de Boès dans la Consolation et de philosophie qui venait lui parler. Les Boès et philosophie sont tous les deux évoqués au chapitre 29 du laboureur et la mort. On évoque précisément, c'est avec cette vérité-là, n'est-ce pas, que philosophie a apaisé le Romain Boès
philosophie, die Weise Meisterin, cette maîtresse, maître de sagesse. Cette leçon que Boès, ce grand seigneur romain à la charnière des 5e, 6e siècle, à la fin de Rome, qui a été brusquement jeté en prison, torturé et bientôt exécuté en 524 par Théodoric de Ravenne, cette leçon que Boès reçoit dans sa geôle de cette allégorie, cette dame philosophie qui lui apparaît et qui devient son médecin, le médecin de son âme, c'est cette consolation de philosophie hein, qui dit « Lève les yeux vers le ciel, vers l'ordonnance parfaite du monde, loin des tourbillons de notre monde sublunaire parce que celui-ci est voué aux caprices de la fortune. Et le mérite de la fortune et de la roue de fortune, c'est de nous montrer que tout est transitoire, tout est passager, tout est réversible. Ce que dit la fortune, c'est l'instabilité universelle, l'instabilité de toute chose. Et dans ce dialogue, il est dit, la mort parle, nous avons dit que la terre, avec tout ce qu'elle contient, je cite, nous avons dit que la terre, avec tout ce qu'elle contient, est bâtie sur des bases instables. Die Erde und alle ihre Behaltung ist auf Unstetigkeit gebaut. Elle est bauen et construite sur quelque chose qui est l'instabilité. Et il ajoute d'ailleurs, la mort ajoute sur le fond de la laudatio temporis acti, la louange du temps passé, de nos jours, elle est devenue changeante, d'autant plus que tout s'est inversé. Dans notre époque, tout a changé, c'est Wandelbar, c'est le changement, c'est l'inconstance. Le dessous est devenu montagne, le haut est devenu vallée, le mal a été retourné en bien. Donc ça, c'est ce que dit la fortune, l'instabilité. Ce que dit la mort, c'est encore un pas de plus, c'est que non seulement tout est instable, mais qu'à la fin, de toute façon, tout sera perdu. C'est-à-dire, tout verse dans le néant. Et là, dans le chapitre 10, c'est dit très clairement, « Toutes les créatures terrestres, si fortes soient-elles, doivent être réduites à néant. Alle irdische Kreaturen, wie stark sie seien, müssen zunichte werden, doivent revenir au rien, au néant. Tout le genre humain, celui qui a été et qui est à venir, doit passer de l'être au non-être, müssen von Wesen zu Nichtwesen kommen, doit venir de l'être au non-être. Et en ce sens, alors je reviens à Elinan, Elinan dit la mort est donc juste. Elle est la justice, parce qu'elle n'épargne ni les riches ni les puissants, parce qu'elle rétablit l'équilibre, c'est la grande égalitaire. Et elle le dira dans ce dialogue, « Nous jugeons avec équité, nous statuons avec justice, nous agissons avec droiture. »« Rechte » à chaque fois, c'est le mot qui est employé, qui se répète. « Nous n'épargnons aucune noblesse, nous ne considérons aucune compétence, aucune beauté, ni les dons, ni la jeunesse, ni la vieillesse. »« C'est la grande faux de la mort, qui est la main de Dieu. » Chapitre 16, « Notre faux va son chemin, blanche, noire, rouge, marron, verte, bleue, grise, jaune, toutes sortes de fleurs et de plantes éclatantes, elle les fauche devant elle, sans égard pour leur éclat, leur vigueur et leur vertu. » Alors, il y a quand même une question qui se pose ici, dans la droite ligne de saint Paul. Et si les morts ne ressuscitent pas ? Alors, on connaît la réponse. Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est l'attitude de ceux qu'on appelle les épicuriens, les pourceaux d'Épicure, dont il est fait état dans les vers de la mort, strophe 34-38. Nos renoncements au bien de ce monde feraient de nous des dupes, jouissons donc. Puisque tout verse dans le néant, jouissons du présent. Mais, nous dit Elinan, les témoins et les saints sont là pour nous dire qu'il y aura un jugement dernier. Deuxième question, c'est celle, ô combien grave, de la mort imméritée. Des épreuves, des tourments qui affectent et frappent les justes. Et ça, c'est le problème de Job. C'est la question de la théodicée, c'est-à-dire la question du mal dans la création divine et de sa justification. Dieu répondra « Mais où étais-tu quand je créais le monde ?» à Job. Et Boès invoquera le totum simul de l'éternité dans la providence. En tout cas, c'est là le fondement de la plainte de notre laboureur. Déjà, au chapitre 4, la mort évoquait l'épouse en ces termes. Elle était très proche, très probe et pure. Elle était envers chacun bonne conseillère, aimable, fidèle, attentive et très bonne. L'honneur s'incarnait en elle. Elle l'a conservée sans tache quand elle est tombée entre nos mains. Et donc elle a été emportée avant l'heure, trop tôt. C'est donc une double injustice.
en raison de sa perfection morale, d'une part, elle ne méritait pas de mourir, et deuxièmement, en raison de sa jeunesse, elle mourait trop tôt. Alors, Elinan, lui, fait de la mort celle qui venge les pauvres et les humiliés. Robert Leclerc d'Arras, à la fin du XIIIe siècle, transforme le poème de la mort en un pamphlet contre ceux qui doivent la craindre le plus, voleurs, avares, puissants, accapareurs. La mort, à ce moment-là, est perçue comme un châtiment social. Et pour en terminer avec ce petit tour d'horizon, il y a encore deux jalons à signaler dans ce discours sur la mort ou de la mort, et dont va bénéficier Johannes von Teppel, qui concerne, on pourrait dire, la théâtralisation de cette appellation de la mort. C'est déjà Baudouin de Condé, en 1295, qui compose le dialogue des trois morts et des trois vivants, hein, qui donne la parole à la mort, donner la parole à la mort et aux morts. On est déjà sur ce principe des personnages. Et ce qui a facilité d'ailleurs la mise en scène de notre dialogue du laboureur et de la mort, dont j'ai eu l'occasion de voir justement à Genève, à la Comédie de Genève, montée par Simone Audemars en 2015, la scène, la pièce de théâtre sur le laboureur, le dialogue avec la mort. Rappelez-vous aussi Jean Lefebvre et puis Christine de Pizan qui, à la mort de son mari, celui qui me tenait en vie, dit-elle, ancre le poème, cette fois, dans une expérience personnelle, ce qui est évidemment le cas ici de Johannes von Teppel, dont il nous faut maintenant aborder directement le dialogue. Je répète, 34 chapitres, sous un petit chapeau introductif qui nous dit que c'est un petit livre où est écrit ce qu'on nomme Krieg, une dispute. Où un homme dont l'être aimé est mort se met à injurier, à réprimander la mort, sommant celle-ci de se justifier et se met en place alors le plaignant, hein, la plainte, der Klager, le plaignant dans un chapitre, et la mort, der Tod, répond dans le chapitre suivant, et ainsi de suite. Toute la force de ce petit texte, c'est de partir, je le disais, de s'ancrer dans l'expérience personnelle, donnée comme telle, singulière, d'une perte ressentie comme injuste, comme résultat d'une volonté maligne de malfaisance, éprouvée comme une douleur intolérable. Donc on part d'une lamentation qui se transforme en accusation. Et ce qui pose le problème du mal dans la création divine, ce mal ressenti comme une injustice, comme un déni du bonheur individuel. Et à partir de là, le dialogue s'élargit sous la forme d'une disputatio, questions présentées, réponses aux objections, qui instaure un dialogue, un échange d'arguments entre le maître et le disciple. Et là, le seigneur mort est ici celui qui donne la leçon à l'élève, le laboureur, qui ne veut pas ou ne peut pas entendre. Cette disputatio prend alors peu à peu la valeur d'une consolatio de philosophie. On est donc avec cette œuvre, je dirais, au croisement du livre de Job, le mal dans la création, et la consolation de philosophie de Boès, par quoi s'accomplit un certain travail du deuil et une certaine reconnaissance de la sagesse. Mais nous verrons que ce n'est pas tout à fait le dernier mot, c'est la surprise qui nous attend à la fin de cette œuvre qui prélude en réalité à l'humanisme. L'ensemble se répartit en deux volets, chacun de ces volets comprenant deux parties, et le tout reflétant cette progression, cette évolution dans le ton comme dans la démarche. Donc, première partie, l'accusation avec la défense. Le plaignant va prendre d'ailleurs la position traditionnelle, la gestuelle de la plainte, hein, poussant des hauts cris, se tordant les mains, qui est l'entrée signifiée cette fois de la plainte en justice, lançant des imprécations contre la mort. Et puis, ça c'est Die Klage, et puis vous aurez la dispute, Der Krieg, deuxième partie, la joute verbale, l'échange d'arguments où il implore la mort comme son maître de lui donner aide, conseil et réparation. Le petit livre donc commence par l'imprécation. Vous, mort, soyez maudit et exposez des griefs. Vous m'avez volé. C'est Beraubet, Beraub, c'est le vol. Vous m'avez volé mon bien le plus précieux, mon bonheur. Alors là, le langage de l'imprécation se transforme dans le langage du lyrisme amoureux. Vous m'avez volé mon Sommerblumen, mon tournesol. Ma femme est la fleur
qui justement suit le soleil, c'est-à-dire la fleur qui nous tourne vers le soleil. Elle est l'étoile brillante de mon ciel, mein lichter Stern an den Himmel. Elle est ma Jungbrunnen, ma fontaine de jouvence, mein ehrenreicher Falke, mon faucon plein de noblesse, ma femme vertueuse, tugendhafte. Hein. Donc c'est un langage passionnel, à la fois de la détestation de la mort et de l'adoration de ce trésor de la femme. Et tout le dialogue va consister à passer de l'émotion à la raison, de l'imprécation à la sollicitation ou à la prière. Ce langage retrouve en tout cas les propos que tenait Ulysse devant Nausicaa, celui, je cite le texte de Johannes, « celui que Dieu dote d'une épouse aussi pure, vertueuse et belle, reçoit ce qu'on appelle un don du ciel, et ce don surpasse tout don terrestre et temporel. Une femme pure unie à un homme respectable, c'est la félicité ici-bas. » Rappelez-vous le Siracide, hein, enfin, ce qu'on appelle l'Ecclésiastique, « Proba mulier est praeclarum donum et dabitur timenti dominum. » Une femme honnête, c'est un don illustre qui sera donné à celui qui craint Dieu. Cette perte est donc un dommage, un malheur, schaden, un préjudice irréparable. Alors comment réagit la mort, qui est apostrophée ainsi sans ménagement, ir tod, vous mort, et qu'on appelle, quand eu égard à sa puissance, herr tod, seigneur mort. Elle répond avec ironie et condescendance, sûre de son immense pouvoir, de sa force, et même avec cruauté. Il y a un peu de schadenfreude, de joie maligne dans ses réponses. Enfin, de quoi vous plaignez-vous ? Nous avons fait une grâce, hein, Gnade, à cette bienheureuse de la prendre entre nos mains. Et puis elle se justifie. Notre action est légitime. Pourquoi ? Parce que nous frappons sans distinction, sans considération des personnes, sans nous laisser corrompre par les puissants, sinon nous serions la personne la plus riche au monde. Deuxièmement, non seulement c'est juste, mais en plus c'est utile. La mort nettoie, arrache le superflu, évite le surpeuplement. Imaginez tous les moustiques si on ne les tuait pas, n'est-ce pas ? Et les hommes, ça conduirait les hommes à s'entre-dévorer entre eux. Et enfin, c'est l'expression de la nécessité, c'est la loi. C'est la loi des créatures terrestres, si belles ou animées qu'elles soient. Et on ne se rebelle pas contre ce qui est la loi. Tous doivent disparaître. Müssen sie nicht werden. Tous doivent retourner au néant. Tous doivent passer de l'être au non-être. La mort oppose alors à la fontaine de jouvence, qui était la femme du laboureur, la fontaine de sagesse, der Weisheit Brunnen, qui devrait être la source à laquelle s'abreuve le plaignant. Et elle termine ce premier échange par un conseil qui va dans le même sens de prendre du recul, d'accéder à une certaine sagesse, ce qui annonce la suite. Aimer, dit-elle au laboureur, être heureux, bon, c'est bien, mais enfin, ce bonheur, comme tout bonheur, est source de malheur. Plus tu aimes, plus tu vas souffrir, parce que c'est la loi des choses. Après le plaisir vient la souffrance. Tous les biens terrestres, liebe, muss zu leide werden, avec le jeu de mots entre liebe et leide, tout ça, ça doit venir à la souffrance. Leid ist liebes Ende. La souffrance, c'est la fin, justement, de tout bonheur. Der Freudenenden trauren ist. La fin de la joie, c'est la tristesse. Et la mort de moquer ce caquetage de ce laboureur. C'est pourquoi, après le dent qu'il a subi, celui-ci se plaint de la moquerie qu'il doit maintenant endurer. Ça, c'était le premier mouvement de la première partie, dont le second mouvement va reprendre et poursuivre la querelle, la demande de vengeance du laboureur, mais assorti cette fois à l'idée d'une réparation qui serait exigible. Et il précise le grief, comme je l'ai indiqué tout à l'heure avec Elinan, c'était trop tôt, c'était avant l'heure. Et l'argumentation se fait polémique. Non, votre faux n'est pas impartiale, elle tranche inégalement, de façon mauvaise, elle élimine les fleurs utiles.
la preuve, cette femme parfaite qui a été ici ôtée au monde, laissant la place au chardon, et la critique se fait sociale. Sur le champ de bataille, on trouve plus de valets que de morts que de seigneurs. Hein. Alors, la mort poursuit sur le même ton, ironique, sottise que tout cela. Tu aurais plutôt dû me remercier en cueillant ton épouse en état de grâce. Eh bien, je lui garantis le bonheur, puisque je l'enlève quand elle est dans un état sans péché. Dans ce cas-là, elle sera au paradis. Seulement, voilà, la scène va prendre ici une autre dimension, elle va s'élargir et les deux personnages vont prendre une stature toute nouvelle. En effet, dans son désarroi, le laboureur pose la question à la mort. Il l'interroge. « Mais enfin, j'aimerais bien savoir, qui êtes-vous? Qu'êtes-vous? Où êtes-vous? D'où venez-vous? À quoi servez-vous? Ver, vas, vo, von van, vartsu. » C'est des questions systématiques, d'un questionnement philosophique ici. Et la réponse, chapitre 15, et la réponse de la mort est détaillée, philosophique et théologique. On a, en grande majesté, on a l'impression d'assister à la grande prosopopée de la mort. Moi, la mort, je vous parle. Qui sommes-nous? C'est un nous de majesté. Nous sommes la main de Dieu. C'est à la fois ce que dit la révélation chrétienne et en même temps, je suis juste, comme le savaient les Romains et les poètes. Donc on unit la révélation chrétienne avec également la sagesse antique. Voilà qui nous sommes. Que sommes-nous? Wir sein nichts und doch etwas. Nous ne sommes rien et pourtant quelque chose. Et pourtant nous sommes quelque chose. C'est le paradoxe ontologique de la mort. En effet, nous n'avons pas de vie, nous n'avons pas d'être, Wesen, nous n'avons pas de forme, Gestalt, nous n'avons pas de substance, Unterstand. Nous ne sommes pas un esprit, nous ne sommes pas visibles, nous ne sommes pas saisissables. Donc nous sommes rien. Et pourtant, nous sommes quelque chose. À savoir, nous sommes Lebensende, la fin de la vie. Wesensende, la fin de l'être. Et le début du non-être. Des Nicht-Wesensanfang. Donc on est un entre-deux, ein Mittel zwischen in beiden, entre deux états, un entre deux états, nous sommes un événement, ein Geschicht. Alors ça, c'est très fort philosophiquement, c'est de faire apparaître le concept d'événement par opposition au concept de substance. Nous ne sommes donc pas une substance, nous sommes un événement. C'est du Deleuze. C'est une transformation. Tous les êtres vivants doivent être transformés. Verwandelt, werden, par nous. Il devait être Wandel, la transformation, le changement. La mort, c'est le passage entre deux, de l'être non-être. Troisième question, où sommes-nous? Alors là, évocation fantasmatique. On évoque une figure dans un temple romain, un homme assis sur un bœuf, les yeux bandés avec une houe et une pelle, fustigé par la foule. C'est l'image traditionnelle que l'on trouve dans les livres d'heures dès le XIVe siècle. C'est aussi une allusion aux charrettes chargées de cadavres, des pestiférés et la mort. C'est un peu le cocher de la mort que l'on voit ici surgir, avec les attributs traditionnels des fossoyeurs, la houe et la pelle. Et puis on évoque Pythagore, enfin c'est Isidore de Séville qui est ici évoqué, avec une vision fantomatique de la mort comme un homme aux yeux de basilic. Le basilic, vous le savez, c'est le basilic à l'odeur de mort qui tue avec le regard. D'où venons-nous? Donc là, il y a un frisson de terreur. D'où venons-nous? Mais du paradis terrestre. Rappelez-vous, Genèse 2,17, De ligno autem scientiae boni et mali, ne comedas, ne mange pas de l'arbre de la science et du mal. In quocumque enim die comederis, en quelques jours qu'il t'arrivera de manger du fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, morte morieris. Donc c'est dans la Genèse que Dieu nomme morte morieris, tu mourras de mort. Nommer la mort, c'est faire exister la mort. Donc je viens du paradis. C'est ce que répond la mort. Et à quoi servons-nous? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, nous servons justement à dépeupler, à éliminer, à éviter le surpeuplement. Nous sommes très utiles au monde. Alors, la seconde riposte, sa première réponse de la mort, la seconde riposte de la mort, sur un mode ironique, a pour effet de retracer une histoire de la sagesse, des réalisations fabuleuses de l'homme,
et ainsi d'élever notre laboureur particulier à être un peu l'incarnation de l'humanité tout entière dans son histoire, dans son cheminement. Une humanité qui a été héritière de Salomon, de Moïse, des Chaldéens, d'Alexandre, d'Athènes, de l'Académie, qui a été incarnée en Sénèque pour Néron, qui est présente dans toutes les manufactures et industries humaines, qui est encore magicienne, qui fut conseillère même de Dieu, comme le Fils de l'homme étant le nouvel Adam. Que de sagesse en l'homme, s'extasie la mort. Si j'avais su, je t'aurais épargné, n'est-ce pas ? Mais âne savant que tu es, elle termine par l'injure, ein kluger Esel. Donc ces chapitres 13 et 18 poussent ainsi le débat à une très grande hauteur métaphysique et avec une portée symbolique. Ce dont il s'agit maintenant, ce n'est plus le cas singulier de notre laboureur qui a perdu sa femme Margaretha en 1400, en 1401, c'est la condition humaine, c'est la vérité de cette condition humaine qui est ici en jeu, au-delà du malheur individuel du citoyen qui a perdu sa femme. C'est pourquoi cette séquence va maintenant marquer le tournant dans le dialogue, lequel change de ton, évolue de la plainte en justice, klage, à la disputatio, c'est-à-dire à l'échange d'arguments, à la dispute, en allemand krieg, c'est le mot qu'on dit guerre, mais c'est une science de dispute, entre le maître et le disciple. C'est la dernière partie de cette œuvre que je commente pour terminer. Le laboureur est quand même décontenancé. Et devant cette manifestation de la mort, il est quand même impressionné ici. Cet homme qui a supporté les moqueries, les mauvais traitements, qui subit cette argumentation, alors se tourne vers la mort comme vers son seigneur, hein, Herr Tod, le seigneur mort. Et il lui demande, comme on demande à un seigneur, comme un vassal peut demander à un seigneur, aide et conseil. Et il demande aussi réparation, ce qui nous met sur la voie d'un arrangement possible, d'une composition. Trouve-moi une solution de remplacement, au fond, indique-t-il à la mort. Nous allons donc avoir ici droit à des développements, des exposés argumentés de la mort, mais aussi, et c'est là ce qui est important, devant les résistances de l'interlocuteur, à deux diatribes extrêmement violentes de la mort contre l'homme et contre la femme. Et là, c'est là où c'est fabuleux, ça va introduire, ça va entraîner deux admirables mouvements de révolte du laboureur en retour des propos de la mort. Et cette fois, les propos du laboureur vont se charger du meilleur de la tradition littéraire médiévale et du pressentiment d'un nouveau langage à venir, celui de l'humanisme. La mort, reprenons ce point, la mort reprend d'abord en effet de façon systématique son argumentation. Elle invoque l'autorité des philosophes, de Sénèque, le fameux passage du De Remediis de Sénèque, avec l'anaphore « Morieris, tu mourras, ista hominis natura est, non pena ». Ça, c'est la nature de l'homme, ce n'est pas un châtiment. « Morieris, ac conditione intravi ut exirem, tu mourras ». C'est à cette condition que je suis entré pour sortir. Morieris, tu mourras, gentium lex est, quod aceperis redere. C'est la loi des gens de rendre ce qu'on a reçu. Stultum est timere, quod vitare non possis. Il est sot de craindre ce que l'on ne peut pas éviter. Ça, c'est Sénèque, l'anaphore magnifique, morieris, morieris, morieris. Il s'y ajoute à cette première idée philosophique reprise de Sénèque, l'idée chrétienne que tous les hommes sont en exil sur cette terre. Et puis, dans une formule énergique, ramassée, cette idée que, devenu quelque chose, chacun doit retourner au néant. Von Nicht zu Nicht müssen sie werden. De quelque chose à rien, tous doivent passer. Rappelez-vous la Genèse, tu es poussière et tu retourneras en poussière. Chaque homme, dernière idée, nous est redevable d'une mort. C'est l'idée d'une dette. Et deux nouvelles considérations ici. Tu regrettes la jeunesse de la femme qui est morte, mais naître, c'est déjà être assez vieux pour mourir. Tu regrettes sa beauté,
Mais de toute façon, sa beauté sera anéantie ou par la vieillesse ou par la mort. Et là-dessus, un petit coup de patte misogyne tiré du Liber de Théophraste, du Liber des Nuptiis et de Jérôme, la Versus Jovinianum, une belle femme, c'est toujours convoité par tous, c'est difficile à garder, alors cesse de te plaindre, te voilà débarrassé d'un souci. Nouveau développement philosophique au chapitre suivant, avec cette fois l'invocation de Job, des stoïciens et de Boèce à l'appui, et cette sentence qui annonce le fameux Sein zum Tod, l'être pour la mort de Heidegger que j'avais repris en titre au début. Sache, dit la mort, ceci, que la vie a été créée pour la mort. Das Leben ist durch Sterbenswillen geschaffen. La vie est entièrement Willen, Sterbenswillen pour la mort, geschaffen, a été créé. Garde à l'esprit cette fragilité, cette évanescence qu'est la vie. Rappelez-vous Job, memento quia ventus est vita mea, souviens-toi que ma vie est du vent, est un souffle, rien que du vent. Et ça sera repris dans notre texte en allemand, ein Wind ist das Leben der Leute auf Erden. C'est du vent, un souffle, que la vie des gens sur terre. Si tu veux donc retrouver le calme, si tu veux te délivrer de ton deuil, suis donc l'enseignement des stoïciens. Ici on dit Aristote, en fait c'est Sénèque et les stoïciens qui sont visés, et Boèce, et dans leur traité des passions, il y a quatre passions, la joie, la peine, la crainte, l'espoir, Freude, Leid, Furcht, Hoffnung. Ce n'est pas dans les choses que ça se trouve, mais dans ton âme. Chasse-les de ton cœur et tu auras la paix. Rappelez-vous Boèce, Gaudia pelle, chasse la joie, pelle timorem, chasse la crainte, spemque fugato, fuis l'espoir, nec dolor adsit, et que la douleur ne soit pas présente. Et Sénèque, dans les deuxièmes épîtres, non est enim in rebus vitium, sed in ipso animo, le vice, le mal n'est pas dans les choses, il est dans ton âme même. Donc si tu bères un bien, fais comme s'il ne t'avait jamais appartenu. Accepte ce qui vient comme étant dans l'ordre des choses. Laboire entend ces paroles de sagesse et il garde quand même une réserve. Et sa réserve est amusante. Il dit à la mort, c'est un peu sophistique, mais c'est astucieux. L'esprit humain, dit-il à la mort, oui, je veux bien, mais l'esprit humain ne cesse de penser. Si je chasse les bonnes pensées que j'ai dans ma tête, les mauvaises pensées vont accourir au plus vite. C'est comme dans ce monde, une fois que vous avez banni les vertus, les vices prolifèrent. Donc je veux garder mes bonnes pensées. Je veux garder dans ma mémoire le souvenir de ma femme vertueuse et bonne. Je ne veux pas m'en défaire. Sinon, les mauvaises pensées viendraient m'assaillir. Alors là, la mort commence à s'impatienter. C'en est trop, elle perd patience face à ce disciple qui ne veut pas entendre raison. Et elle lui parle brutalement, mais regarde la vérité en face, regarde en pleine lumière la chose. Qu'est-ce donc que l'homme, en fin de compte ? Un être conçu dans le péché. Rappelez-vous, Saint Augustin, il est né inter urinas et feces. Il est né entre l'urine et les excréments. Un vrai déchet, un flat, voilà ce qu'est l'homme. Un vase d'excréments, une demeure empuantie, stankhaus, cloaca, latrina, voilà ce que c'est que l'être humain. Un homme entier, c'est 9 trous de puanteur et d'ordure, dit la mort. Si tu voyais l'intérieur d'un beau corps, homme ou femme, tu serais saisi d'horreur. Rappelez-vous au don de Cluny, nam si widerint homines, oh, quod subtus pelem est, si les hommes pouvaient voir ce qui est sous la chair, sicut linces in Boétia, comme les lynx chez Boèce, kernere interiora feruntur, on dit que les lynx peuvent voir l'intérieur des corps, mulieres videre nausearen, vous auriez la nausée de voir les femmes. Et là, c'est extraordinaire, là, c'est la révolte du laboureur, au chapitre 25. Non, dit-il. Vous n'avez pas le droit d'insulter l'œuvre de Dieu. L'homme est la plus noble créature de Dieu. L'homme a été fait à son image. L'homme n'est pas aussi vil, schnöde, pitoyable, mauvais, böse, impur, unrein, que vous le dites. Et d'insister sur ce vocabulaire de l'œuvre
Il y a une véritable figura etymologica dans le texte, n'est-ce pas ? L'homme, c'est Gottes Werkstück, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu est le maître d'œuvre, Werkmann, qui a œuvré, gewürkt. C'est lui le créateur, Würker, de cette merveille, et cette merveille qu'est la tête humaine, avec les sens de l'ouïe, de la vue, de l'odorat, du goût, par ces orifices que vous dénigrez. Et ils ont cette faculté de parler, cette langue, de concevoir des pensées qui transcendent toutes les distances et qui se traduisent dans les arts magistraux. Vous, mort, vous êtes l'ennemi de l'homme, ihr seid des Menschens Feind, l'ennemi de l'homme doué de raison, Vernunft, ce noble trésor. La mort rétorque à ce moment-là, pas très brillamment, elle rétorque avec une énumération lourde, pesante, pédante. Elle énumère tous les arts libéraux, on en fait la liste fastidieuse, plus la philosophie, plus la médecine, plus le droit, plus la mantique, plus la magie, plus l'alchimie, pour conclure que de toute cette masse de connaissances de l'homme, ça ne fait pas le poids face à elle. Sois-en sûr, petit paysan vaniteux, Upiger Goiknecht, lui dit-elle à notre laboureur. Laboureur reste patient. D'accord. Je continuais à m'adresser à vous en vous demandant un conseil loyal. Bon, comment vais-je orienter ma vie maintenant ? Est-ce que je rentre dans les ordres ? Est-ce que je reste dans le monde où j'aimais beaucoup l'état de mariage, j'ai vécu heureux, bon, je pourrais me remarier ? Et là, la mort reste intraitable. Et dans ce dernier mouvement du dialogue, après la diatribe contre l'homme, elle lance maintenant, on l'attendait depuis un moment, la diatribe misogyne. Tu vantes trop la vie conjugale, ehelichen Leben. La femme, être trompeur et funeste, veut toujours prendre la place de l'homme. La vie conjugale, c'est l'enfer conjugal, c'est la guerre permanente entre les sexes. Rappelez-vous ce que disait la tradition cléricale, quid est mulier, qu'est-ce que c'est que la femme ? Hominis confusio, la confusion de l'homme. Insatiabilis bestia, une bête insatiable. Continua solicitudo, un objet de préoccupation continue. Indeficiens pugna, un combat qui ne s'arrête jamais. Quotidianum damnum, un dommage quotidien. Tempestas domus, la tempête dans la demeure. Solitudinis impedimentum, un empêchement de la solitude. Viri incontinentis naufragium, le naufrage de l'homme incontinent. Adulterii vas, le vase d'adultère, perniciosum prelium, le combat pernicieux, animal pessimum, le pire des animaux, pondus gravissimum, un poids absolument extrêmement lourd, humanum mancipium, l'esclavage de l'humanité. Alors, cette offensive toute cléricale de la mort contre la femme va provoquer une nouvelle révolte du laboureur. Lui qui avait fait vibrer la corde de la grandeur de l'homme, avec un accent préhumaniste à travers cette affirmation de l'homme, qui peut, grâce à son esprit, dit-il, s'élever jusqu'à la divinité. Indi Gottheit und darüber, et même au-delà, klimt der Mensch mit den Sinnen, avec son esprit. Rappelez-vous Macrobe, hein, scite te esse deum, sache que tu es Dieu. Donc lui qui affirme cette grandeur de l'homme, va maintenant rassembler à l'intérieur de ce grand champ de la mort, qu'est ce dialogue avec la mort, il va réunir ce qui faisait l'essentiel de la lyrique médiévale du grand chant courtois que sublime Dante avec Béatrice au chapitre 29. Au nom des maîtres de sagesse, der Weisheit Meister, au nom de philosophie, die Weise Meisterin, chez Boès consolateur, voici la vérité salutaire qui a déjà été citée. Sans une femme pour guide, steure, on ne peut être dirigé, gesteuret, de steuern. Sans une femme pour guide, on ne peut être dirigé avec bonheur, mit Zelden, car avoir une épouse et des enfants n'est pas la moindre part du bonheur terrestre. Quiconque est au service des dames, in Frauendienste, doit renoncer à tout méfait. À leur école, in ihrer Schule, à leur école, les hommes respectables apprennent la droite vertu et l'honneur. Recht zurt ehre. Trois idées sont rassemblées ici. Le service des dames renvoie au code courtois. Il faut se mettre à leur école. Elles sont civilisatrices et éducatrices. Et la femme est le guide qui conduit, rappelez-vous le tournesol, vers le haut, qui élève, ça annonce Goethe, n'est-ce pas, à la fin du Faust, jusqu'à la lumière divine. Je dirais que c'est l'inversion de l'histoire d'Orphée.
Orphée essayait de ramener Eurydice des ombres à la lumière, mais la femme dans cet esprit est celle qui conduit l'homme à la clarté du monde. Après cette double charge contre l'homme et contre la femme, la mort reprend de la hauteur, son discours alors s'inscrit dans la tradition de l'Ecclésiaste sur le thème du Contemptus Mundi, elle passe en revue tout ce qui fait l'industrie humaine sur Terre, elle classe toutes les activités humaines sous le triple chef de la possession des biens, la richesse, de la recherche des plaisirs, la volupté, de la quête des honneurs, la puissance et la gloire. Elle constate l'instabilité universelle et l'inquiétude des cœurs. Elle répète et dénonce la vanité du monde. Tout cela est vanité et blessure de l'âme, c'est la citation de l'Ecclésiaste. Hein. Et elle conclut sur l'exhortation morale à se détourner du mal, à faire le bien, afin de conserver une conscience pure et honnête. Donc la mort apparaît alors moins comme l'ennemi du genre humain que comme le prédicateur, comme l'auxiliaire de son salut, dans la tradition d'Élidon de Froidmont, par un appel à se détacher de l'éphémère et de l'instable. Seulement, je dirais, toute la nouveauté de ce texte, c'est que le laboureur ne se résigne pas à ce dénigrement de toutes les choses terrestres. Il y a encore un chapitre, chapitre 30, et il répète « Toutes les choses terrestres sont une création de Dieu ». Et alors là, il va proposer, en réaction aux thèses de la mort, une toute autre version des choses. Rappelez-vous, la mort avait indiqué, chapitre 10, comment dans ce monde, toutes choses se transforment. Au chapitre 16, elle avait dit « Tous les êtres vivants doivent être transformés par nous, et passer de l'être au non-être ». Au chapitre 22, elle a énoncé la loi « La vie a été créée pour la mort », la loi heideggerienne, « La vie a été créée pour la mort ». Eh bien, à cela, à se dire que toute existence terrestre doit prendre fin, le laboureur oppose, tenez-vous bien, Platon et les autres philosophes, alterius corruptio, alterius generatio, la destruction d'une chose est toujours la naissance d'une autre. Il oppose donc, à partir de la sagesse antique, la thèse de la transformation, ce qui veut dire que rien ne prend fin. Et il conclut le contraire de la mort, qui disait tout a été, l'être a été créé, l'homme a été créé pour la mort, il répond, pas du tout. Chaque chose a été créée pour l'éternité. Il prend l'exact contre-pied de la mort ici. La création est éternelle au sens même où le cours, c'est ce que je cite, le cours céleste et terrestre de toute chose se transforme l'un dans l'autre. Donc, évidemment, c'est habilement joué par rapport à la position antique. C'est une sorte de fabuleuse synthèse entre Platon, Aristote d'une part et la révélation de l'autre. Lorsque l'on dit que le terrestre se transforme dans le céleste, on reprend à l'idée antique de la transformation, la pérennité du monde, mais en changeant de plan, en changeant d'échelle. C'est le renversement de la thèse de l'être pour la mort, non pas pour la mort, pour la vie éternelle. La transformation qui règle toute chose dans la pensée antique, mais qui va du terrestre au terrestre, est ici réinterprétée comme allant du terrestre au céleste. Ce qui se fait jour ici, c'est une inspiration qui brise avec la conception pessimiste, cléricale, du mépris du monde. C'est l'acte de fin du Contemptus Mundi que nous avons dans ce texte-là, pour une affirmation humaniste de la valeur de la vie, du monde et de l'homme. L'accent, bien comprendre, bien sûr saint Paul disait ça aussi, mort ou est ta victoire, puisqu'il y a la vie éternelle, mais ici, c'est différent. L'accent est mis sur la création elle-même, comme le dira Montaigne, tout bon, il a fait tout bon. Et c'est là, je dirais, dans ce dialogue, le tournant dans une histoire de nos représentations. C'est une nouveauté bouleversante. Et quand Dieu vient juger les deux personnages à la fin, il accorde bien sûr la victoire à la mort, mais il accorde l'honneur à l'homme. La mort doit avoir la vie, la terre doit avoir le corps, et nous aurons son âme. Je conclus, on le voit ici, sur le plan littéraire, la mise en scène du laboureur et de la mort est ambiguë, comme le nom même du laboureur, comme je vous l'avais dit, c'est tout autant savant que simple. Le simple comme parlé ou comme destinataire tient au thème lui-même. C'est de la vie de tout homme qu'il s'agit, every man, de tout homme aux prises avec le bonheur, avec le labeur, avec l'intimité du foyer, avec la perte, avec la mort.
C'est un appel pour savoir comment se conduire, guider sa vie, se comporter moralement. Et si le propos touche l'homme le plus simple, que serait le laboureur paysan, c'est dû à l'effort séculaire de l'Église qui a mis en œuvre ces thèmes et cette moralisation dans la prédication en langue vulgaire. Là, je te rends hommage, entre autres. Mais si la simplicité, c'est justement de pouvoir ainsi parler de la vie humble, quotidienne de tout homme en proie à sa condition d'homme, c'est aussi, comme l'avait dit Auerbach dans cette grande thèse sur le réalisme, c'est la conséquence de l'incarnation qui avait donné toute sa dignité et son intérêt à l'humble vie terrestre. Nous sommes redevables au christianisme de la simplicité dans l'art littéraire. Merci Charles de cette démonstration brillante sur un texte dont nous ne faisons généralement pas notre lecture quotidienne et la façon dont tu as amené la fin du Contemptus Mundi, le passage à l'humanisme, était absolument magnifique. Il faut dire que on trouverait déjà quelque chose comme cela chez Jean Demain. Ah oui, oui. Et si on regarde le discours de nature, c'est le Alterius Corruptio, Alterius Generatio, oui. Ça y est. Bon. Mais pour nous, c'était extrêmement intéressant, non seulement pour la raison que tu as donnée dans ta conclusion, mais aussi parce que cela posait la question de savoir quel simple. Le simple d'Herr Ackermann von Böhmen n'est pas un vrai simple, c'est un simple qui cite Platon. C'est cependant un laboureur. Mais le laboureur n'est un simple que dans un certain sens. Il n'est un demi-simple socialement, quelqu'un de niveau assez élevé et... Il s'oppose, me semble-t-il, dans le déroulement du texte, au vrai simple que met en scène les textes proprement religieux, et qui est simple de la simplicité évangélique, ou qui est le simple fou de Dieu, le simple qui ne peut pas faire mieux, qui ne peut pas dire mieux, qui ne peut pas s'expliquer, et qui, pour cette raison même, arrive à la vérité. Si je peux me permettre, il y a un point, mais après, un point sur lequel je ne ferai peut-être pas exactement le même parallèle que toi. Le laboureur se présente et il dit « Je suis un laboureur ». Et tu as dit « C'est comme le vilain de Calogrenant qui se présente en disant « Je suis un homme ». Mais justement, ce n'est pas la même chose. Le laboureur se définit par un statut social qui fait qu'il n'est pas un grand savant, qu'il est ce qu'il est, et qui va tenir le discours de son état, le discours d'un homme marié dont la vie est faite de sa famille, de sa femme, tout ça. Tandis que le vilain de Calogrenant répond au soupçon qu'il soit une bête, ce qui est tout à fait différent. Oui. Calogrenant ne sait pas trop ce que c'est. De même, dans le texte que je cite tout à l'heure, et je suis incapable de retrouver ce texte, mais je sais qu'il existe, l'homme sauvage interpellé par un ermite qui lui dit « Oh, qui que tu sois, etc. Est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu es une créature ?» Et l'homme sauvage, qui a l'air totalement sauvage et incapable de parler, s'arrête et répond « Christianus sum ». Et c'est le même genre de différence, mais du coup, c'est d'autant plus intéressant parce que ce soit un personnage de laboureur, inscrit le texte dans une série qui n'est pas celle de la sagesse de la bêtise, mais du regard naïf, candide, qui va à la vérité. Pour rester dans le domaine germanique,
il y aura deux siècles après, Simplicio Simplicissimus, qui est un redoublement et un renchérissement sur le titre du personnage, et qui est le regard d'un simple sur la guerre de 30 ans. Et non, c'était la guerre de 30 ans, enfin bref, ou avant, je ne sais plus laquelle. Non, je vous dis des bêtises, enfin bref. Et c'est avant, au XVIe siècle. Et qui montre, par la simplicité du regard, l'horreur de la guerre. Et on est plus proche, parce que nous l'avions vu ensemble, de ce que nous avions vu au début, du cours, de la partie de cette année du cours, la bergère de Marcabru, ou la façon dont Marcabru détourne ce genre qui existait certainement avant lui de la passerelle pour faire dire la vérité au simple de bon sens. Mais le simple de bon sens n'est pas le fou de Dieu, qui est hors du sens pour Dieu. Oui, tout à fait. Ce que j'en dis, c'est comme ce que j'en pense. C'est une sorte de causer pour montrer mon admiration. Non, mais c'est tout à fait raison sur la différence avec, évidemment, ce qu'on a dans Yvain. Simplement, je voulais dire par là qu'un homme était le plus petit dénominateur commun, et, au fond, sur lequel on se fondait pour dire... Oui, voilà, on comprenait à la fin, avec ta conclusion. Mais je trouve bavard, est-ce que sur Johannes von Tepel, il y a des... Donc le texte, vous pouvez l'acquérir, il a été publié, c'était en 2013 aux presses universitaires de Paris-Sorbonne, Le laboureur de Bohème, donc c'est la traduction qui est donnée, mais une très bonne traduction, par Florence Paillard. Il y a 16 manuscrits qui existent, 15 imprimés de cette œuvre. Il a eu du succès. Et alors, oui, pour la chair, l'ordure de la chair, ça c'est quelque chose de constant. Alors justement, dans mes sermons, prédicateur qui prend la peine d'imaginer la scène, prenez le plus bel homme ou la plus belle femme du monde, donnez-lui à manger les plus belles, les meilleures épices et celles qui sentent le meilleur. Dès que ça aura passé le gosier, ce sera de la fiente. Et alors, il y a donc Augustin Interurinas et Defecationes Amines Nascuntur, mais il y a aussi Alain Delisle, mais qui l'a repris, mais je me rappelle Alain Delisle, « O homo, memini quod fuisti sperma fluidum », on se comprend, « commodosis vas tercorum », un récipient rempli de « et « commodo eris esca vermium », la nourriture des vers. On en a autant qu'on veut. Quand on ouvre, on est obligé de déterrer un cadavre, ça sent tellement mauvais qu'on pourrait mourir. Et on ne supporte même pas la mauvaise haleine de son voisin. Alors le péché, pensez donc. Oui, toute cette argumentation traditionnelle consiste finalement à essayer de vous détacher de tout ce qui vous attire, l'attraction des choses terrestres. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir penser constamment à il y a autre chose au-delà de cette vallée de larmes. C'est ça. Et donc tout l'effort, y compris jusqu'à la rhétorique la plus extrême ici, consiste à dénigrer, à rabaisser ceci pour dire sortez de là, prenez conscience, éveillez-vous, n'est-ce pas ? Et le mouvement humaniste sera l'inverse, c'est de dire non, tout bon, il a fait tout bon. Ce renversement est sensible. Moi, ça m'avait beaucoup frappé, parce qu'on a, pendant les trois quarts de l'ouvrage, si vous voulez, on a l'argumentation traditionnelle. C'est pour ça que je faisais le lien avec les dents de Froidmont. On retrouve les arguments qui sont de tradition. Puis, il y a cette extraordinaire révolte dans les chapitres qui viennent clore le dialogue. Dans nos textes médiévaux, pour une belle femme, alors premier degré, c'est de dire elle est si belle que nature y a mis la main elle-même. Elle n'a pas laissé faire tout simplement.
Et le stade suivant, c'est de dire « Nature n'était pas capable de le faire toute seule. Dieu y a mis la main. » Donc, Dieu contribue ainsi à la beauté du monde, dans ce cas-là, plus plaisant, si je puis dire.